Salut tout le monde, c'est Ena et Lina de retour dans Undertale. Et je suis un peu malade, on va dire, j'ai une putain de petite toux, mais je vais essayer de me calmer pour cela. Et donc, Lina avait décidé de... Et d'accord. La plan B. Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi? Aller voir Undyne déjà. Comment on y va? Bah, tu vas aller les rejoindre, tu vas essayer de rejoindre les chutes. C'est où? Mais je te l'ai déjà montré. Non. Mais si. Non. La barque. Elle est où la barque? Ok, elle est là-bas. Non, pas en bas, c'est le puzzle. Ok, elle est où la barque? Tu vas déjà descendre les escaliers. Tu vas déjà emprunter l'ascenseur qui est à ta droite. Droite. T'as dû faire le mouvement, quoi. Ok, et après? Tu vas déjà rejoindre. Je crois que c'est gauche 1. Vas-y, la logique de ces ascenseurs, quoi. Je peux passer de la gauche à la droite! Laisse tomber. C'est des téléporteurs, oui. Et c'est là. Ouais, voilà. Et maintenant, je vais. Tralala, tu veux venir faire un tour? Monter à bord de la barque? Oui. Où allons-nous aujourd'hui? Les chutes, t'as dit. Très bien, c'est parti. La dernière fois, elle faisait glisser. T'as mal cadré, hein. Ah bon? Da! Tralala, village Témi. Les chutes, c'est le village Témi? Le village Témi se trouve dans les chutes. Ah. Situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Mm-hmm. Vas-y, je l'ai déjà vu son dialogue là. Je voulais un autre dialogue! Tant pis, faudra patienter le jour où il apparaîtra dans cette vidéo. Reviens donc une autre fois. Tralala. Tralala. Et ça, c'est quoi? Ah, tu lui as pas parlé la dernière fois. Ah, maintenant que j'y pense, on n'a même pas fini de parler. Oh, t'es là, si, c'est parfait, le t'es là, si. On dirait un mec. No money. Quoi? Pas d'argent. Attends, à ce point, j'ai mal à comprendre. C'est ma voix. Attends, donc, qu'est-ce on qu'on. On a pas de place, tu veux dire. Tu lui as pas parlé, tu veux pas lui parler de dialogue là-bas? Ok, après. On va voir ma boîte. Ok. Et maintenant, tu veux qu'on aille lui parler, t'as dit? Pourquoi tu veux aller sur retour alors? À propos de vous, ça fait longtemps que je suis ici. Peut-être trop longtemps même. C'est plus facile d'étudier quand tu en fais toi-même partie. Allez, grand-père. Ce symbole, tu le vois? Mm-hmm. Hein? Comment ça, tu sais pas ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on vous colle dans le crâne à l'école? Oh, c'est la rune Delta, voyons, l'emblème de notre royaume, le royaume des monstres. Pas mal comme nom, non, hein? Quand je l'ai... je suis un papier rouillé. Papier très rouillé, même. Comme je l'ai toujours dit. C'est bon, vieux Sir Pomotouf saurait même pas nommer son peignoir correctement. Ah, ouais. L'histoire de ce symbole n'est pas consignée dans les écrits. Sa signification s'est perdue au fil des années. Tout ce que l'on sait de lui, c'est que ces triangles nous représentent, nous, les monstres, et le cercle ailé symbolise autre chose. Ils disent tous que ça représente cet ange prophétique. Ah oui, la prophétie. La légende raconte qu'un ange venu de la surface descendra d'ici-bas et nous libérera tous. Mais récemment, les gens ont commencé à rendre cette légende plus sinistre. Certains appellent désormais ce cercle ailé l'ange de la mort, le héros de la destruction qui viendra nous libérer du royaume des mortels. Moi, quand je vois ce petit rond, je le trouve juste marrant. Le roi. Sir Popotouf, c'est un bon gars, un doux rêveur, plutôt un doux insouciant. Si tu continues ton chemin, tu tomberas sûrement dessus. Il aime beaucoup se promener et parler aux gens, hein? Pourquoi j'appelle Dreamer Popotouf? Oh, c'est toute une histoire.
Ah, m'en souviens pas. Si tu repasses un peu plus tard, je suis persuadée que je m'en serais rappelé d'ici là. Bon, elle est où? Temi, comme tu dis. Mais Temi, il est de tout côté. De l'autre côté? Ouais. Ce côté-là? Ouais. Je crois. Non. Ah bon? Bon, bah, t'as trouvé Endine en tout cas. C'est bon. Ah! C'est le téléphone. C'est la maison d'Undyne. Tu sais, celle avec un squelette qui attend devant. Ok. Tu peux retéléphoner hein, pour voir qu'est-ce qu'il te raconte de plus. Je peux pas retéléphoner à Papillon pour voir s'il te dit autre chose. Pourquoi il dit autre chose? Ça se fait. Les gens ils testent pour voir s'ils disent des trucs. C'est la maison d'Undyne. Tu sais, celle avec un squelette devant. Oh oh, voilà l'humain! C'est bon, on peut aller traîner avec Undyne! J'ai un plan pour faire de vous de fantastiques amis! Traîner avec eux? Ok, reste derrière moi! Psst, n'oublie pas de lui offrir ça! Elle en raffole! C'est vrai. Croquette, je crois. Salut, Papyrus! Prêt pour ton entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je le suis. Regarde qui j'ai ramené en plus pour l'occasion. Salut. Je crois pas qu'on se soit déjà... Et si vous entriez tous les deux? Je sais pas quelle voix tenir Undyne. Vas-y, la voix de Papyrus va me rendre ma toux encore plus terrible. Voilà. Regarde, Undyne, l'humain t'a amené un cadeau de sa propre initiative. Et je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix d'un seul coup. Je vais le ranger avec les autres. Elle dit merci avant de dire. Merci, je vais les ranger avec les autres. Bah, j'ai tourné la tête aussi, donc j'ai pas vu. Donc, on peut commencer? Zut! De flûte, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien, tous les deux. Ok, lui il va pas aux toilettes sans passer par la fenêtre. T'avais envie de faire une rime aujourd'hui? Quoi? Mais donc, pourquoi es-tu là? Pour me narguer avec ta victoire récente? M'humilier encore plus? C'est ça? Non, pas tellement. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Ah, j'ai compris! Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Ouais, pourquoi pas? On sait jamais. C'est trop. J'ai vraiment besoin d'amis furtifs. Hein. Vraiment! Comme c'est charmant! J'accepte! Gros de tête, hein! Gros Manon qui est mort dans les champs fleuris de l'amitié! Ou pas? Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami? Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus t'a invité. Tu fais obstacle aux rêves et espoirs de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Mince! Comme c'est dommage! Moi qui pensais qu'Undyne pourrait devenir ton ami. J'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus, attends une seconde! Zut, zut. Il me croit incapable de devenir ton ami. Cette blague. Cette blague est marquée. C'est pas grave, oh. Des amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit déjeuner. Il va voir de ce qu'il va voir. Écoute bien l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma pesta. Tu vas tellement m'aimer que tu ne pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? J'arrive pas à croire qu'il se soit vautré par la fenêtre comme ça. D'habitude, il gère l'atterrissage. C'est quoi ça? Une fois, Alphys et son ami sont venus ici. Il s'est contenté de s'allonger sensuellement sur le piano et de gober des grappes de raisin. J'ai du mal à supporter ce type. Mais je dois dire que j'admire son style de vie. Est-ce que tu penses que de... Ouais, il parle de Metatone. Elle. Ouais. Les humains, c'est nul, mais leur histoire est plutôt cool. Prenons un exemple. Cette épée géante. Auparavant, les humains utilisaient des épées 10 fois plus grosses qu'eux. Vrai ou faux? Faux.
feu, tu vois. J'ai lu la collection de livres sur l'histoire humaine d'Alphys. Est-ce que tu t'en rappelles de cette collection? Je sais tout de vos épées géantes, vos gigantesques robots exterminateurs d'aliens, de vos princesses magiques. Hé, hey, tu ne mourras pas comme ça. Ah, si tu aussi on pouvait réellement être ça. Ma très chère Lina voudrait bien être une princesse guerrière. J'aime pas manger froid. Donc Alphys a arrangé mon frigo pour qu'il réchauffe la bouffe. Le frigo chaud, la meilleure invention du monde. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je vais perdre ma voix d'ici. Ça regorge d'argenterie. Ça regorge d'argenterie. Il y a des fourchettes, des cuillères, des couteaux, de petites épées, des haches, des lances, des nunchaku. Ce four est un de ces trucs haut de gamme de MTT. Mais tu sais, peu importe les avancées technologiques, rien ne bat la nourriture faite maison avec la magie du feu. Il y a une tasse en forme de poisson dans l'évier. Tu veux voir ma chambre? Dommage! Entrée interdite aux intellos. Enfin, pas à tous les intellos. Et tu sais de qui elle parle? Oui, s'asseoir et faire avancer la scène? Avancer non, la scène. C'est pas... Et si tu te barres, qu'est-ce que ça fait? Quel plaisir de t'avoir ici! Et si tu prenais un siège? Oh, tu pars déjà? Non, tu ne pars pas. Non. On a une... Voilà, on a essayé toutes les possibilités. Tu as l'air à l'aise. Je vais aller te prendre à boire. Le frigo bien ouvert. Hein. C'est bon, qu'est-ce que tu aimerais? Hey, te lève pas. C'est moi qui invite. Tu restes là et tu fais comme chez toi. Pourquoi ne pas juste pointer ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Sucre, c'est pour le thé. Je vais laisser avec des... Liquide jaune écœurant. Chocolat chaud, cylindre vert. C'est bleu, wesh. Boîte à thé, les choix à faire. Je parie que tu veux du chocolat, toi. Oh, tu veux du chocolat chaud? Attends, j'avais oublié, la boîte est vide. J'ai arrêté d'en prendre parce que c'était trop pénible. Asgore n'arrêtait pas de se coller des chamallows dans la barbe. Le sucre est pour le thé, je vais pas te donner un bol de sucre. J'ai l'air de quoi, la vendeuse de glace? Les glacières humaines terrorisent l'humanité à coups de lances d'énergie? Les musiques et leurs... camionnettes sont-elles un prélude à la l'apocalypse, c'est ça? Non. Elle nous prévient juste qu'il y aura des glaces pas chères. C'est bien ce que je pensais. Du thé, hein? Je te sers ça de suite. Ça va prendre un moment avant que l'eau ne bouille. J'aurais peut-être dû prendre le tout ça d'insecte. Ok, c'est tout bon. Tu vas utiliser la tasse en potion. Et voilà. Fais attention, c'est chaud. C'est pas si chaud, vas-y bois. Vous prenez une petite gorgée du thé, c'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, tu trouves pas? Je ne peux m'offrir le meilleur à tous mes amis si adorables. Hé, hey, tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux des grosses lavettes, en quelque sorte. Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de battre Asgore. Et j'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis sentie tellement humiliée. Après... il s'est excusé et a dit un truc idiot du genre « Pardon, mais est-ce que tu aimerais savoir comment me battre ?»
J'ai dit oui, et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me sentais mal. Mais il rayonnait de joie. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc, c'est à mon tour d'apprendre au bouffon à se battre. Comme par exemple, Papyrus. Mais pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Mais lui dis pas que j'ai dit ça, hein. Il est juste, je veux dire, ce n'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde, il était supposé te capturer. Mais à la place, il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait réduire en charpie souriante. C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois. Pour que qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. Quelque chose d'autre de sa vie. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en chercher. Attends une seconde, Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir maintenant, tout de suite. Ah, j'ai eu complètement sapé le là. Et s'il n'est pas là pour l'avoir, et tu vas devoir l'apprendre à sa place. Que de violence. Eh ouais, rien ne nous a plus rapprochés. Papyrus et moi que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne ces leçons, nous serons plus proches que jamais. Peur. On va devenir amis pour la vie. Commençons par la sauce. Bah, imagine que ces légumes représentent ton pire ennemi. Vas-y, réduis-les en poussière avec tes poings. Comment les frapper? Violemment, faiblement. Vous y allez de toutes vos forces. Vous renversez une tomate. Ouais. Nos cœurs battent à l'unisson face à ces ingrédients sains. À mon tour maintenant. C'est la purée maintenant. On mettra tout ça dans un bol plus tard. Mais maintenant, on rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures, mais je les achète en cours. Elles sont moins chères. Contente-toi de les mettre dans la casserole. Je crois que je fais des voix différentes à chaque fois. J'ai pas envie de me faire voler, moi. Si tu veux. Vous ajoutez les nouilles une par une. Elles résonnent contre le fond dans un bruit métallique. Bien joué! Ok, maintenant il faut touiller. De manière générale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Martel Z. Trouille! Trouille! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Laisse-moi faire. Bien, c'est comme ça qu'on fait. Parfait, il reste une dernière étape. On fait monter le thermostat. Laisse cette plaque de cuisson représenter ta passion. Laisse tes rêves et espoirs se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que tu as. Maintenant, maintenez droite pour chauffer. Ah, tu vois, tourne là. Plus chaud! Plus chaud! Bon sang! Plus chaud! Laisse-moi faire! Voilà! C'est comme ça qu'on... Je vais prendre de l'eau. Purée, et après on s'étonne que Papyrus cuisine mal. C'est quoi la suite? Un scrapbooking? Des bracelets d'amitié? Mais de qui je me moque? J'ai tout fichu en l'air, pas vrai? Je ne peux pas t'obliger à m'aimer, humain. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends ton ressentiment envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis,
Ce n'est pas grave, parce que si nous ne sommes pas amis, ça veut dire que je peux te déglinguer sans le moindre regret. Je suis vaincu, ma maison est en ruine. Je suis vaincu, ma maison est en ruine. J'ai même pas réussi à devenir ton ami. Oh là là, bisouteur. Peu importe que je sois ton hôte ou pas, une dernière revanche, l'affrontement final. C'est le seul moyen pour reconquérir ma fierté. Allez, donne-moi tout ce que t'as. Undead vous laisse au... Je ne veux pas examiner là. Vous faites mine de vous élancer vers Undead de toutes vos forces. C'est quoi une pichette? Tu sais, c'est genre... semblant de t'attaquer là. Hein? C'est ça le mieux que tu puisses faire? Même en y allant à fond? Ça t'est donc inconvenable de me faire du mal, hein? Et tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début, je supportais pas ta stupide bienveillance. Mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or! Tout comme lui. Bon, écoute le mioche. Toi et Asgore semblaient destinés à vous affronter. Mais je le connais bien. Il le fera sûrement pas de gaieté, de cœur. Essaye de lui parler. Je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici. Et j'aurai alors... j'aurai alors qu'à prendre son âme à la place. C'est un bon plan, tu trouves pas? Et si jamais tu blesses quand même Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière et je viendrai te débrouiller en personne. C'est ça que servent les amis, j'ai pas raison. Vas-y, tu bouges la souris, je comprenais pas pourquoi. Bon, c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu. Eh ben, c'était plutôt marrant, non? Il faudrait qu'on se refasse un de ces quatre. Mais à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus. Donc si t'as besoin de moi, n'hésite pas à passer par Couvenage, ok? Oh, et si jamais tu as besoin d'aide, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme je serai au même endroit, je pourrais te parler aussi. Bref, à la revoyure, mais un microbe et une autre microbe est apparu dans notre maison. Allez, salut. On dirait que seul le feu vit ici maintenant. Bon, qu'allons-nous faire maintenant? On part. D'accord. Et on téléphone à Papyrus. D'accord. Et il faut aussi voir Témi. Ah non, c'est Undyne maintenant. On dirait que tu arrives près de chez Undyne. Hé, et si on rendait visite à Undyne? Je suis juste à côté de toi. J'adore qu'un flanc se déroule sans accroc. C'est là-bas? On n'a toujours pas tes mille pièces d'or, tes mille. Thème Flake. Donc toi, tu vois, c'est ça? Moi. Que Thème a étudié? Pour que Thème... Oui, a étudié. Tu dis. Le truc est cher pour rien. Mais tu veux pas encourager ton petit chien préféré? Mais je donne le plus. Ah bah bien, je le revois après. Ça marche si je le revois ce truc. Ouais, peut-être. On va essayer. Ouais. Merci pour la ça. Ouais. Oh. Tu as Thème Flakes. Il me faut des Thème Flakes. Moi, je dois payer pour l'école. Thème venu toujours des Thème Flakes. Okay. Ah, les gens, il te l'a encore plus augmenté. Ouais. Tu veux spammer ça? Non, c'est trop long. Ou peut-être en vidéo. Ça marche si je fais avec 20? Je sais pas. On essaie? Si tu veux. J'ai pas envie de faire beaucoup. T'as envie d'essayer, j'ai pas déjà. Si ça marche avec 3, ça veut dire que ça marche avec 20 normalement. Non! Elle me le rend 20 moins cher en plus. Non. Ça coûte 2. Bon, tu l'utiliseras pour bon escient si tu veux. Attends, j'ai mangé.
Bon, allez, au revoir, Thème, le roi de l'arnaque. Tu l'aimes toujours? Oui. D'accord. Ah là là, il n'y a jamais trop de hot dog. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Vas-y, je l'ai déjà vu ce dialogue. Oh, je te plains pas. Est-ce que c'est ici le hot dog? T'as qu'à prier pour revoir Sense. Mais je sais pas c'est à quel étage. On va voir. Non, 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 il est vraiment plus loin, tu vois. Plus loin dans Altnet. Bon, bah, si tu veux, on va chercher dans les étages où vit, où travaille Sense. Je sais pas, je crois qu'il doit être au troisième ou au deuxième, je sais pas. Toi, il doit... Vers la gauche. Peut-être, je sais pas, tu peux toujours aller à l'emprunt et l'ascenseur, quoi. Je crois que c'était à la droite ici, quoi. Bon, on verra, on verra. Oh, non, on doit aller à la droite 3, c'est ça? Yep. Ah non, il n'est pas là. Toi là, t'as un hot dog, mais tu me le refiles pas, c'est pas sympa. On monte ou on descend là? On monte. Tu lui as déjà parlé. Tu veux pas parler au chat vu que la dernière fois on n'a pas eu le temps d'en parler. Ouais, normalement, ils doivent raconter, tu vois, normalement il y a le chapeau de cow-boy et tout, normalement, mais bon. Chapeau de la marchandise. Le truc à l'intérieur sont genre carrément hyper chers. Mais genre ces trucs qu'on a trouvé sont genre carrément chers. Tu devrais genre carrément hyper tout t'acheter. Carrément hyper tout acheter. Enfin genre à quel autre endroit trouver des armes, de la bouffe ou on les a trouvées dans les ordures. C'est de la bonne ordure, c'est genre de la très bonne ordure. Qu'est-ce qu'on trouve les ordures? Attends, où est-ce qu'on trouve les ordures? Genre au magasin d'ordures, évidemment. Ça vient des chiens principalement, j'ai trouvé un flingue dans un tas d'ordures. Tu veux retourner dans les chutes pour essayer de trouver le flingue moins cher? C'était quoi ça? C'était la clé, voilà, la clé mystère. Donc il y a un pistolet que le... Oui, mais je crois que normalement tu pourrais peut-être le trouver sans acheter. Ok, c'est où? Mais ça fait quoi même? Bah ça fait rien. Ça augmente ma défense. Mais c'est bien ce qu'on a déjà, tu vois, t'as par tour, tu peux gagner des PV gratuitement, c'est mieux. Ok, on s'en va. T'as pas fini de parler de tous tes trucs? S'en fiche. Ok, on est... Bah, si tu veux, on peut... Du moment que c'est pas moi qui lis, tout va bien en fait. Oh mon dieu, Métatone! Oh mon dieu, Métatone! Il est genre mon mari robotique. En fait, il est genre mon mari robotique. Je crois qu'on va genre l'épouser toutes les deux. On est genre toutes les deux déjà mariées à lui. Genre, il ne le sait pas encore, c'est tout. Ah oui, bon, Tikam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de narration aujourd'hui. Ça fait longtemps, hein. Au moins tu connais un peu plus Tikam. Donc, genre, Dr. Alphys a construit Métatone, non? C'est genre ce que tout le monde sait. Tout le monde raconte. Désolé, tu appuies sur... Mais genre, Métatone fait toujours comme si sa propre construction était son idée, quoi. Et même juste après sa construction, il faisait comme si Alphys était une vieille amie. Mais maintenant, ils sont genre plus vraiment amis. Ouais, pas comme moi et Cathy. On est best forever. Quoi? Ouais. Oh mon dieu, MTT, Métatone. Bon, d'accord. Je crois qu'on... Bah, c'est la même chose. Oh mon dieu, Alphys! Elle habitait dans la même rue que nous avant. Elle était comme une grande sœur. Enfin, genre, si ta grande sœur t'emmène en promenade au dépotoir, elle nous a montré les meilleurs endroits pour trouver des ordures. Elle ramassait toujours ses dessins animés bizarres. Puis elle est devenue la scientifique royale. Ouais, ça fait un bail qu'on l'a pas vue. Donc Alphys a toujours été genre... Elle trouvait qu'Asgore était super mignon. Donc genre, je suis quasi sûre qu'elle a créé Métatone pour genre carrément l'impressionner. Un robot avec une âme. C'est genre trop en rapport avec ses activités. Donc après avoir vu Métatone, Asgore lui a demandé de faire tous ses trucs scientifiques pour lui. Mais personne n'a genre vu quoi que ce soit venant d'elle depuis. Ou ne l'a vu tout court.
elle doit genre rester enfermée dans son labo toute la journée. Genre, profite un peu de la vie, ma belle. Ouais, comme nous. Et ma... Oh mon dieu, c'est trop un gros bêta, c'est une grosse boule de poils un peu bébête. Genre, j'adore ce mec, il est trop sympa. Oh là là, on a genre... Trop la hype, pour la destruction de l'humanité. Trop la hype. Ouais, d'accord. Bon. Ok, d'accord, ça va. C'est bon. Et parlez de vous, on l'a déjà... Je suis Cathy et elle, c'est ma meilleure amie, Cathy. Gatti et Cathy. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait. Reclique dessus. Je suis Cathy et elle, c'est ma meilleure amie, Gatti. Et en fait, elles le disent en même temps, donc c'est embêtant, c'est ça? Je comprendrai jamais. Bon, retour! Cathy et Gatti. Bon, bah... On a combien de minutes de vidéo, là? On sait pas, on s'en fout. Mais t'as pas visité le bol hôtel? Vois-tu alors? Ring. Hein? Qui c'était ça? Personne d'autre n'est supposé être ici. Bah, on se souciera de ça plus tard. Ok, tu veux aller dans l'hôtel? On va y aller. Tu sais que ça peut être de l'argent. Attends, c'est quoi ça? De l'argent ou du temps? Oh. Bienvenue aux galeries MTT La Paillette, terre natale de Glamburger. Nous illuminons vos gnagnagnas. 14, mais c'est cher. Bah c'est bien, t'as pris du lacité pour... C'est mieux le lacité. Faudra retourner là-bas pour acheter du lacité plusieurs fois. Oh, héros légendaire. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est ici qu'on trouve ça, d'accord. Bon, bah c'est tout. Pourquoi cette personne essaye de me vendre ces trucs? C'est un fast-food, j'essaie juste de survivre. Ah, pareil. Désolé, haha, c'est contraire au règlement de parler aux clients qui n'ont rien acheté. Bah c'est une ruse, j'ai j'en ai... Putain, sa tête, il fait flipper, quoi. Tiens, t'as un autre ascenseur. Oh, triste. J'ai manqué l'ascenseur. Ça, c'est les chambres d'hôtel, c'est ça? Wow, service de chambre, avez-vous mon lacité? Non. Mais alors? Je vous donne pas mon lacité. C'est permis de l'intérieur. Oh, service de chambre, c'est mon lapin de cannelle. Non. Mais alors? D'accord, Vous entendez quelque chose remuer derrière la porte. On dirait que vous pouvez déposer quelque chose au pied de la porte. Ne pas poser. Pourquoi? Imagine si tu donnais quelque chose que tu voulais. Ah, non, occupé, on dirait. Il y en a un qui veut mon lacité, un qui veut lapin à la cannelle, c'est ça? Ouais. Il y a un autre, je sais pas quoi. Et tu veux que je prenne tout ce qui une chambre, est exotique. Non, je veux pas qu'on prenne une chambre. Ah, c'est juste ça que tu veux voir. Je veux juste voir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. Je me rends hors caméra pour voir. Faisons un peu. Bouton. C'est bon, c'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet des noyaux. Et pourquoi tu n'essayes pas de l'ascenseur d'abord? Attention! Ok, la prochaine fois je prendrai l'ascenseur. Malicien sort de son propre chapeau. Examinez, parlez, vider l'esprit. Là je te dis, je connais pas du tout. Hein, ouais. Examinez. Attaque 29, défense 24. Ce mercenaire arcanique ne sure que par les mots magiques. Hocus pocus! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'esquives! Ça, j'avais compris. Bah, qu'est-ce qu'on a comme proposition? On a parlé, vider l'esprit fixé, vider l'esprit. En fait, vider l'esprit, c'est leur space. Vous ignorez malicien et pensez aux fleurs et aux soleils. Défense augmentée de 1. À la Kazam! Oula! J'ai pas fait exprès. T'es fixé? Parler? Ouais, je suis pas fixé. Regardez vers. Tracorbe, je sais pas. L'infatigable Tracorbe est affaibli par votre regard. S'il vous plaît et merci. Wow! Wow! Malicien vous fixe d'un air étrange. Y'a
Mais pourquoi t'es sans chez de clavier? On voit pas en chinois. C'est que c'est parler. Encore ou quand encore? Encore ou quoi? Déjà. L'imitation, l'intimidant coin sombre est affaibli par votre regard. Hocus pocus! Maltien perd l'usage de ses orbes. C'était moi une! Pourquoi il y a autant de monstres ici? Je veux dire, c'est pas un problème, non? Oh, on a qu'à continuer d'avancer, c'est fini. Y'a quoi? Je sais pas, comme tu veux. Je sais pas. Tu es libre de visiter? Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que c'est laser contact à s'activer quand tu le feras. Je crois qu'ils vont arriver dans cet ordre. Orange, orange, bleu. Compris? Reste en mouvement jusqu'à 3. Jusqu'au 3e. Attends, c'est... Elle t'a piégé. Hey! C'était l'inverse! Ouais. Oh mon dieu, tu n'as rien! Je suis désolée, je me suis trompée dans l'ordre! Tout va bien, hein, tout va bien se passer, d'accord? Continuons vers la droite! Et au début, elle disait aller par l'ascenseur. un carrefour! Essaye de continuer à droite! En haut? Comme tu veux. En haut ou en bas? Comme tu veux, en tout cas, on n'aura pas le temps. Dans cette prise là. Attends, non, vers le haut, je crois. Qu'est-ce qu'elle est sur d'elle dedans? Donc on va en haut. On va quand tu veux. On va pas monter, on va en bas. On passe plus par en haut. Paladodo bloque le passage. Paladodo, et vous êtes déchanté. Bah chanter moi j'ai parce que pas là dodo. Je sais pas. Pas là dodo. Ah oui, il a besoin d'une berceuse pour dormir. Vous entonnez une chanson berceuse, les paupières de Paladodo sans le sel au dire au revoir. T'as intérêt sur le côté survie. Ça sent la poussière. T'as besoin. Mais toi. Chanter. Vous continuez de chanter la Paladodo, ferme lentement les yeux. Ferme les yeux. Oh putain, oula. Oh putain, oh putain. On continue de chanter par la deux chanteurs. Paladodo est en train de chanter. Genre c'est le... Parfois les prénoms ça aide. Hein. Pardon, je pensais que... Essayons plutôt le chemin à droite. Bon, on l'a déjà vérifié le chemin à droite. Je pense qu'on va devoir prendre l'ascenseur alors. En plus, t'es à peu de points de PV, hein. Plus de laser. Ok, je ne ferai pas l'andouille cette fois. Et je parie qu'elle va te fermer le téléphone. Je désactiverai juste les lasers pour que tu puisses passer. Ils ne s'éteignent pas. Je ne peux pas les éteindre. Tout va bien, tout est sous contrôle. Je vais couper le courant dans tout le secteur. Et tu pourras traverser. Ok, vas-y. Non, attends, stop! Le courant s'est remis tout seul en route. Mince, c'est pas supposé. Je vais de nouveau couper le courant. Quand il se coupera, avance un peu plus, puis arrête-toi. Ok? Ça ne te blessera pas. Oh mon dieu! Est-ce que tu vas bien? Je n'ai pas pu garder le courant coupé assez longtemps. Non, ça y est, presque. C'est juste un peu plus loin. Voilà. 1, 2, 3, soleil. Tu vois, j'ai la situation bien en main. Tout est sous contrôle. Non, Luna, tu... Ok, c'est... je vais manger un... C'est vraiment pas bon. Est-ce que c'est le moment où du canin ou... Oh! Peut-être que c'est moins chiant juste parce que t'as trop de place. Oh, y'a un ventilateur. Oh, super, je vais manger un ventilateur.
Mais t'as gagné beaucoup plus après. Ouais. Ok. Ok, tu devrais... Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas du tout à ma carte. Je suis désolée, je... Faut que j'y aille. Une faute dans l'air, c'est tout. Ok, droite à gauche. Comme tu... Au nord, la voie du guerrier. À l'ouest, la voie du sage. Tous deux mènent à la fin. Du monde. Non, je déconne. À la fin de ta vie. Mais c'est pareil, là. L'est, la fin. C'est où, là? C'est où, là? C'est où? Bah, le nord, c'est devant toi. Ouais, ça, oh l'ouest. L'ouest. C'est là-bas. Non. L'est, c'est à droite. T'as dit l'ouest, bêta. Ah bah oui, l'ouest... C'est là-bas. Oui, mais tu dis est, toi, donc... Non, c'est pas qu'elle dit l'ouest. Écoutez, et j'ai rien dit, moi. D'accord, mais moi, j'ai entendu l'ouest dans ta bouche. Bon, alors, on va où? Bah, tranquille. Voilà, tu veux la voix du guerrier ou la voix du... Bon, on va juste jeter un œil dans les trucs à chaque fois, mais quand même, on va se décider. Ça, ils sont sympas. Non, eux. Ouais, bon, on va où alors? Comme tu veux. De toute façon, ça a l'air bien. Voilà, bon, là. Je comprends rien, mais bon. Ah, mais je sais pourquoi elle a demandé l'ascenseur maintenant. Je viens de m'en rappeler. Ah! Désolé. Bah, attends, tu Maman est terrifiante. Il y a 100 PO à l'intérieur de la poubelle, vous ramassez, vous obtenez 100 PO. Ah super, alors ce chemin. Il y a quoi là-bas? It's time for the puzzles! Je ne peux pas combattre, je n'arrive pas à penser. Mais après, avec de la patience, je finirai par franchir cet obstacle. À l'est, c'est la fin. La fin du jeu ou quoi? Oui, c'est rouge. Essaie d'avoir qu'un seul cube au milieu, comme ça tu pourras en tirer un, vu que tu peux... T'as deux missiles que tu peux tirer. Comme ça? Ouais. Regarde, et après voilà. J'avais pas tant fait. En fait, j'avais même pas vu combien j'avais de tir. Alors, faut regarder aussi. Et là, c'est le milieu. Ouais, je pense. Ouais, mais c'est juste que je suis mort, ça. Le jeu comme ça, je me repère là déjà. Voilà, tu l'as. Mais c'est bon, c'est bon. On va tout droit. Il y a un glam burger au fond de la poubelle. Voulez-vous ramasser cet objet? Vous obtenez le glam burger. C'est moi qui n'ai pas besoin de la musique. Toi, t'as besoin d'être dedans. Vu que tu vas très rapidement ne pas être dedans. Bon, là, t'as la détermination. Si t'arrives même pas à battre ces petits monstres, moi, je te dis, Muffet et Papyrus, c'est rien. Oh, tais-toi. Oh, mince. Mais c'est vrai. Oh, mais j'ai juste envie de faire autre chose, là, à ce moment-là. Mais j'aurais pu. Oh. Ah, mince. Quand tu le prises, c'est sûr que ce sera un cercle. Ah, je l'ai. Ça va, c'est la grenouille. Ah, la grenouille. Pince-le. C'est le truc dont j'aime pas. Ça va. Pour moi, cette fois-ci, il n'y a plus de papier. Ouais, si tu le dis. C'est pas bien. On peut manger un truc. Ça va, il dit, il y a un peu trop de trucs, je crois. Oh, il a pas voulu. Attends. Faut qu'il parle et après faut que j'en mette. Ouais, peut-être.
En fait, non, c'est pas vu que tu vois, t'es concentré sur plein de trucs, on sait rien de qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, alors on va commencer par écrire place. Alors, waf. Quoi, waf? Tu en as assez vu. Au moins, tu peux t'en débarrasser d'une. Tu en as assez vu quoi? Je sais pas, comment ça j'en ai assez vu? On l'a vu, on l'a vu. Franchement, tu en as assez vu, d'accord. Est-ce qu'il faut que cette fois-ci soit on peut défier, je sais pas. Ouais. Hey, il y a une, trois petits points. Donc là, on sait pas. Bah attends, tu liras le commentaire. Alors, la stigmate a... Ils ont des indications. À l'œil injecté de sang. Défier. Ne pas embêter, je sais pas. Défier ou ne pas embêter, comme tu veux. Enfin, quelqu'un qui comprend. Donc tout à l'heure, quand il était tout seul, il voulait bien être embêté. Et là, maintenant qu'il n'est pas tout seul, il voudrait ne pas être embêté. Et tout ça pour un bouton. Donc lui, après tout, l'est est la fin. On va où maintenant? On va là-bas? Vers l'est. C'est ici l'est. Est-ce que y a d'autres endroits? Bon, il faut l'écouter. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas passer les gars là. Oh. Ok. Mais c'est bien, j'ai compris le but du jeu, il est sympa. Ouais, mais faut faire attention aussi. Ouais, mais c'est sympa. Est-ce que tu veux faire une pause Une pause, oui. Une pause casse-croûte, on va dire. Ah mais non, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Triste, on n'aura pas de temps. Oh non. Tu sais très bien à 19h qu'est-ce qui se passe dans chez nous. Oh non. Bon, bah la prochaine fois, hein. Donc, on se retrouve à la prochaine pour ce fabuleux combat contre... Metanon X. Et yeah, so... Je vais arrêter avec mon anglais pourri. J'ai rien compris ce que t'as dit. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Allez, salut les gens. À la prochaine. J'ai parlé trop fort pour vous. J'avais mal à la gorge.